Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Bon, alors aujourd'hui, on y retourne. Direction les Gigi, les Rerolles. Et je suis avec Max et Martial qui, eux, sont déjà partis traquer un peu plus loin. Et moi, je vois deux, trois girolles d'ici. Ça fait 5 minutes qu'on est dans le bois, donc c'est déjà bien. Allez, je vous montre ça. Voilà, on voit là une petite ici. Je vais l'accueillir. Voilà. Girolle Palens. Excellent. Magnifique. Bon, c'est la première de la journée. Allez. Et on regarde par ici. Et l'on voit qu'il y en a d'autres. Ici, ici. Et peut-être que le rond va plus loin. On va regarder ça. Alors voilà, petite girolle. Hop. Et j'ai vu une ligne qui va vers là. Alors, elles sont où les cocottes? Là, il y en a ici. Vous voyez, ici. Et j'en vois pas mal là-bas. J'en vois pas mal là-bas. Ouais. Donc, je vais y aller doucement, mais sûrement. Et j'en vois encore une par là. Et je vois un rond là-bas. Oh là là là, je suis dans un nid là. Bon, ouais, je fais tout doucement. Alors voilà un petit rond. Le magnifique girolle Palens. Ça vient ici. Ça vient ici. Il y en a un petit peu plus loin. Et on voit là. Ici. Une ici. Une ici. Une là. Je me retourne. Et que vois-je? Un petit rond. Voilà. Excellentissime. Je suis dans un petit filon où il y en a un peu partout. Là-bas. Voilà, donc je continue. Je continue. Magnifique, encore une fois, curiosité. Polypore. Voilà. Là, il y en a. Voilà. Voilà. Effectivement, tu t'approches de la route. Ouais. J'en vois encore un peu par là. Ah, le nid est par là. Ça sert à rien de s'enfoncer. Je crois que j'en vois par là. Ouais, ça en est ça. Ouais, il y en a là. Il y en a là. Il y a encore une petite ligne là. Si elle m'a rejoint, ouais. Il se cache derrière l'arbre. Coucou. Le barbu est là. Donc on a dit par là-bas, je crois. Attends, il y en a deux, trois. Ouais, dans le tas de bois. Derrière là. Il est encore là un peu. Encore là-bas derrière. Encore une, ouais, une fois que tu es assis, tu les vois. Oh, c'est marrant. On est à la bonne hauteur. C'est la position d'Ève. Quand elle se met assise pour les morilles, elle voit une morille. C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, ce qui m'avait... Ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand on était à... Oui, quand on a mangé. Quand on a mangé. Puis qu'elle les a vus dans l'herbe. Elle a commencé à faire la danse de la morille. Ouais. Qu'est-ce qui... Pourquoi elle agite les bras?
Ouais, c'est dans les petits taillis. Ah, dans les petits taillis. Comme les trompettes. Il y a du bol et rude, j'en vois un beau d'ici. J'en ai vu un ou deux aussi, mais je ne dis pas avancé, mais bien, 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 bien. Voilà, beau bol et rude. Mais de toute façon, c'est quand même pas ça qui est ça. Hein. Ah bah ils vont venir, hein. De toute façon, moi je m'inquiète pas. Ah non, moi non plus, mais... Les cèpes vont pas tarder, c'est sûr. Une petite semaine de flotte, ça serait pas mal. Et que les températures remontent parce que ça recaille là. Bah, ce matin, il y avait 14 degrés. Ouais. Et la nuit, il y a dû faire 10, hein, pas plus. Oh, pas plus, non. Pas plus. Donc, j'ai vu que fin de semaine, ça remontait vers 30 quand même. Il faudrait qu'il pleuve aussi. Voilà, il faudrait de l'eau entre les deux. Si jamais il n'y a pas de pluie, elles vont sécher sur pied. Hein. Ah bah les morilles, j'allais dire. Les girolles, ouais. Allez, on continue dans l'allée. Martial fait l'allée à côté. De temps en temps, on voit des girolles. Alors, je vais bouffer. Et encore un petit nid. Voilà. Hop. 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 Et par ici. Magnifique. Toute fraîche celle-là. Dans la partie en dessous là-bas, tu sais. Petit panorama. Voilà. Les forêts lorraines. Sympathique. Voilà. Bon, je me suis arrêté un tout petit peu. Est-ce qu'on entend la pluie qui arrive? Alors, est-ce que ça va durer? On verra bien. Est-ce que ça va mouiller? On verra bien. Je vais attendre Martial et Max. Bon, bah, c'est encore une petite prospection sympathique. Que demande le peuple? Petite fricassée, ça suffit. Hein. Bah oui. Donc, la pluie se calme. Vraiment, c'était un petit pipi de chat. Bon, bah, voilà Martialou, le petit fond qui va bien pour l'omelette. La belette, le petit fond qui va bien pour l'omelette. Et le Maxou, le petit fond qui va bien pour l'omelette aussi. Voilà. Tiens, mais qu'est-ce qu'on va casser comme œuf? Oui. Voilà, bon. Alors Maxou, et puis Martial. Hein. Et bah, voilà. Salut. Voilà. Comme d'hab, quoi. Petite vidéo sur Champy Forest bientôt. Oui. Hein, cher belette. Oui, faites de la pub, les amis, faites de la pub. Champy Forest, tu dis? Oui, Champy Forest. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ouais. Et puis bah, le gros, je peux pas, j'ai champignons. Voilà. Les champignons de Jay. Voilà. Le Girolatube. Les jardins de pierre. Les jardins de pierre, oui, je le vois souvent, les jardins de le pierre. Le jardin. Le jardin. Le jardin de pierre. Je le vois souvent. Toutes des chaînes de passionnés voilà. De nature et de champignons, bien sûr. En fait, les champignons, c'est la cerise sur le gâteau. Puis Belette 54, bien sûr. Voilà. Ah bah quand même, hein. Quand même. Ah quand même. Ah quand même. Il commence à t'as vu comment il s'allonge là. Les barbus, c'est moi. Hein. Ouais, dans l'ordre. Ah bah dans l'ordre à peu près. Ouais. Voilà. Voilà. Bon bah voilà. Hein. Allez, on dit salut à tous. Hein, salut à tous. Bonne semaine. Salut les petits loups. On est encore là.